Bonjour à tous, est-ce que les micros fonctionnent? Un, deux, un, deux. Fonctionne bien. Super. Bon, les 59, on va attendre encore 2-3 minutes et puis on va démarrer. Les 15 heures passées de 1 minute, je vous propose qu'on démarre à 15h04 pour laisser les derniers arrivants rejoindre. Allez, je vous propose de démarrer. Merci à tous. Ravi que nous tenions ce webinaire ensemble, que je vais co-animer avec mon collègue Guillaume. Bonjour à tous. Donc, Guillaume est directeur Data Science et moi, je suis Antoine Amand, je suis directeur du développement chez Bureaux Locaux. Et on va vous parler de notre module de pré-estimation aujourd'hui. Donc, en fait, on tâche de faire du webinar du vendredi un vrai rendez-vous côté bureaux locaux. Et, la semaine prochaine, nous présenterons un point marché sur Bordeaux. On parlera donc bureaux, commerce, entrepôts, et à Bordeaux et en Gironde.
Donc, nous accueillerons pour témoigner en tant qu'expert du territoire Eric Guimain, qui est directeur associé Colliers à Bordeaux, et Rodolphe Demallet, président de Cushman & Wakefield à Bordeaux. Notre sujet du jour, c'est le module de préestimation qui est en ligne maintenant depuis quelques semaines. Le webinaire devrait durer une bonne trentaine de minutes. N'hésitez pas tout au long du webinaire à poser des questions, à commenter sur la partie droite de votre écran, il me semble. Et on pourra répondre à la fin de la présentation à certaines de ces questions. Pour débuter, petit rappel de ce qu'est Bureaux Locaux. On est la plateforme spécialiste de l'immobilier professionnel. Ça fait maintenant plus de 10 ans, 12 ans même, qu'on donne à voir la quasi-exhaustivité de l'offre en immobilier d'entreprise, donc bureaux, commerce, entrepôts, à vendre ou à louer partout en France, mais aussi coworking et également terrain, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc nous, notre but, c'est de faciliter les recherches des dirigeants d'entreprise en mettant en relation l'offre et la demande. Et en parallèle, nous identifions les meilleurs conseils spécialisés pour chaque projet d'immobilier entreprise. Pour chaque projet, ça veut dire les projets preneurs, les projets acquéreurs dans le cadre d'une recherche, mais aussi des bailleurs, des vendeurs. Nous sommes également de plus en plus présents pour les propriétaires. En quelques chiffres, Bureaux Locaux, actuellement, c'est 50 000 annonces en ligne. C'est un chiffre qui a énormément augmenté ces dernières semaines. On a eu une croissance de quasiment 20% de l'offre pendant la période de confinement. Beaucoup de réponses à cette période. C'était aussi une période sur laquelle on a profité pour avancer sur de nombreux sujets technologiques. Et le module de préestimation, il en fait partie. Et c'est même un produit phare chez nous à présent. Donc, on est ravis de pouvoir vous le présenter. 1000 agences partenaires, on a franchi cette barrière. Il y a peu, on va avoir des agences partenaires qui sont spécialisées en immobilier d'entreprise. Certains qui vont couvrir tout type d'actifs et avoir une couverture nationale. D'autres qui vont être spécialisés sur un type d'actif ou alors un marché spécifique. Donc, une diversité d'agents, mais tous spécialistes de l'immobilier d'entreprise. 9000 transactions récentes. C'est important d'insister sur les transactions car pour nos partenaires qui sont des agents immobiliers spécialisés dans l'immobilier professionnel, nous ne sommes pas seulement un outil de diffusion de leurs offres, mais également un promoteur de leur expertise. Et finalement, ces transactions sont le track record de nos partenaires et permettent d'exister en tant qu'expert. Donc, on a de plus en plus de transactions. Et puis, si vous êtes partenaires, agents, je vous invite encore à les renseigner et on reviendra sur le sujet pendant la présentation. 350 000 visites par mois. Je reviendrai sur le trafic dans quelques secondes. C'est le rythme de croisière des visites sur Bureaux Locaux. 70 000 alertes actives qui concernent les dirigeants en recherche de locaux, que ce soit pour du bureau, du commerce ou encore de l'entrepôt, du coworking. Et on est une véritable machine à capter les recherches, à capter les nouvelles entreprises en recherche. On a 70% de nouveaux visiteurs chaque mois. Concrètement, nos missions, on peut les synthétiser avec ces trois points. Présenter toute l'offre de bureaux, coworking, commerce, entrepôt, à l'eau ou à vendre partout en France. Détailler l'expertise en immobilier entreprise de chacun de nos 1000 agents partenaires. C'est vrai que les recherches, elles commencent de plus en plus sur Internet. On le sait très bien et on se doit, nous, d'être la vitrine digitale de nos partenaires. Donc, on présente leur offre, mais aussi via une vitrine digitale, leur équipe, leur spécialité et bien sûr leurs transactions, j'en ai déjà parlé. Et enfin, on identifie le meilleur agent pour chaque projet immobilier. Et pour cela, on a différents outils. Petit retour sur l'évolution du trafic, comme je vous en parlais. Ça fait maintenant 2 à 3 semaines qu'on a retrouvé le niveau normal des recherches sur Bureaux Locaux. Ce n'est que vraiment le miroir des recherches des entreprises françaises. Donc, nous, il y a peu, nous avions fait une étude auprès des dirigeants en recherche active de bureaux sur Bureaux Locaux, qui disaient que 45% des dirigeants allaient reprendre leur recherche juste après le déconfinement.
Et voilà, nous, ce qu'on ressent dans le trafic, c'est que ça corrobore vraiment ça. Il y a un retour à la normale et ça fait maintenant 2-3 semaines qu'on est au niveau d'avant confinement. Donc, c'est plutôt de bon augure. On est assez optimiste. On espère que sur le terrain, ça se concrétise déjà ou que ça va se concrétiser dans les jours ou dans les semaines à venir. Donc, je vous disais, identifier le meilleur agent pour chaque projet. Pour ça, on a différents modules sur bureaux locaux. Je les ai entourés en haut de votre écran. Vous voyez, estimer, confier mon bien, choisir une agence. Choisir une agence, ça va être, si vous voulez, l'annuaire des partenaires agents de bureaux locaux où tout un chacun, tout utilisateur peut rechercher par localisation, par type de bien, quel est le professionnel qui est le plus adapté à son projet immobilier. Confier mon bien, et comme son nom l'indique, va être plus orienté auprès des bailleurs et vendeurs qui veulent confier leur bien à un professionnel. Et notre sujet du jour, estimer. Vous voyez, c'est un nouvel onglet du coup, qu'on a rajouté à nos deux onglets historiques que sont loués et achetés, qui sont plutôt à destination d'entreprises en recherche. Et aujourd'hui, nous allons parler du module estimer. Donc, de quoi s'agit-il ? C'est un outil de préestimation, comme je vous l'ai dit, qui a pour objectif de donner une première indication d'un loyer ou d'un prix de vente aujourd'hui disponible pour le bureau. On le verra, ce sera prochainement disponible également pour l'entrepôt, et simultanément d'identifier les meilleurs agents pour répondre au projet de l'utilisateur, pour affiner son estimation et pourquoi pas pour commercialiser le bien préestimé. Petite précision avant qu'on détaille un peu et puis après que je laisse Guillaume expliquer un peu plus en détail ce qui est derrière la machine en termes de pour ce qui est de ce module d'estimation. C'est en aucun cas un travail qui est celui d'un expert immobilier. On sait très bien que l'expertise immobilière, et de manière plus globale, l'estimation immobilière, c'est un sujet très fin. Ça l'est dans le résidentiel. Ça l'est peut-être encore plus dans l'immobilier professionnel parce qu'on a une diversité d'actifs et au sein même d'une famille, une diversité de sujets. Je pense à la typologie des commerces qui ne peut pas être traité sans avoir recours à un expert ou un professionnel de l'immobilier d'entreprise. Donc nous, ça fait 12 ans qu'on existe. Donc on a 12 ans d'historique de confrontation de nos données au marché et 12 ans de discussion également avec des professionnels du marché. Donc, on sait où on peut être utile et quel est notre rôle. Et en tout cas, on est persuadé que le rôle d'agent est d'autant plus pendant cette période qui fait l'objet de beaucoup de discussions, même beaucoup de fantasmes ou d'interrogations sur l'évolution des prix. Pendant cette période, le rôle de l'expert et du professionnel en immobilier d'entreprise, il va sortir que grandi en fait de cette période parce que les utilisateurs vont avoir besoin de conseils avisés. Je vais vous détailler assez rapidement, mais sur un parcours type d'un utilisateur qui utilise le module de préestimation de bureaux locaux. Donc c'est un outil de préestimation, comme j'ai dit, aujourd'hui disponible pour les bureaux à location à la vente. À l'écran, vous voyez un exemple pour du bureau et j'ai pris l'exemple d'une vente. Donc là, je saisis une adresse. Au début, on demande l'emplacement du bien à préestimer. J'ai choisi le 8 rue de Penthièvre dans le 8e arrondissement de Paris. C'est une adresse bien connue, mais c'est un outil qui est disponible pour de nombreuses villes. Et je l'ai indiqué, à présent, on couvre 6000 villes en France. Ensuite, l'utilisateur va être amené à renseigner d'autres caractéristiques comme les surfaces ou l'année de construction, l'état du bien. Vous voyez, en surface, j'ai mis 200 mètres carrés. J'en profite pour indiquer que bureaux locaux et les recherches qui sont effectuées sur bureaux locaux, on est assez représentatif en fait du territoire et de la composition des entreprises françaises. Si bien qu'on a beaucoup de PME, forcément, plus petite. Représentation des très grands groupes hein, qui ont souvent des équipes des directions immobilières qui sont très structurées en termes d'immobilier. Nous, on est vraiment le miroir des recherches françaises et des entreprises françaises. Donc, en moyenne, pour vous donner une ordre d'idée,
depuis qu'on a lancé ce module estimation. Côté bureau, les moyennes de surface estimées sont autour de 400 m². Et côté entrepôt, sur les demandes d'estimation qui sont réalisées, on est autour de 1000-1200 m². Donc voilà, ça, je pense que c'est assez intéressant d'avoir en tête qu'on est comme sur des petits volumes ou intermédiaires. Je renseigne le nombre d'étages, parking ou terrasse. Et j'arrive sur la page de résultats qui, vous allez voir, est faite de deux blocs principaux. La première chose, et c'est aussi pour cela que l'utilisateur s'est rendu sur ce module dans un premier temps, c'est que nous affichons une fourchette de préestimation. Ici, donc, nous avons l'exemple au 8 rue de Penthièvre sur la base des caractéristiques que j'ai saisies, avec 3 201 000 euros au milieu, et une fourchette qui est assez large, vous en conviendrez. Encore une fois, l'idée n'est pas de remplacer les conseils, mais plutôt, même au contraire, de les mettre en valeur sur la base des informations que nous avons. Je précise, vous avez un petit message bleu qui indique que, étant donné la période et toutes les interrogations autour des prix, les prix que nous affichons, ils sont hors impact du Covid-19. Nous travaillons néanmoins sur la détermination des bons correctifs, si tant est qu'il y ait besoin de correctifs, sûrement qu'ils n'ont pas besoin de corriger ces valeurs pour tous les marchés. Mais notre équipe data, dont Guillaume qui va intervenir juste après, j'ai cette équipe, il s'y attelle très sérieusement et on essaie d'être toujours le plus juste possible. Et vous voyez en bas de l'écran, vous apercevez déjà un premier professionnel. Et le voici. C'est la deuxième partie de notre bloc de résultats quand l'utilisateur fait une préestimation sur bureaux locaux. Donc, c'est une liste de professionnels que nous recommandons vis-à-vis du projet qui a été renseigné. Là, nous sommes sur les résultats suite à la préestimation de bureaux à la vente. Et je vous préciserai un peu plus tard quels sont les critères sur lesquels nous basons aujourd'hui pour classer finalement ces professionnels. Avant de laisser la parole à Guillaume, j'indique également que sur les sujets commerce et entrepôt, le module n'est pour l'instant pas disponible. Donc, on laisse un message qui est différent, qui dit que finalement, l'estimation n'est pas encore disponible, mais avec la même finesse et les mêmes critères, nous affichons les professionnels que nous recommandons dans le cadre du projet de l'utilisateur. Sachez que côté entrepôt, c'est prévu, ce sera prochainement en ligne sur le recours. Donc là, on voit en fait une liste de professionnels dont on va mettre en lumière l'expertise sur la base de leurs offres et de leurs transactions récentes. Petit repère sur l'estimation depuis les quelques semaines d'activité du module. On a eu plus de 2000 demandes de préestimation réalisées. C'est toujours intéressant de voir la répartition des acteurs. Je veux dire qu'à peu près la moitié sont des vendeurs et bailleurs. Un petit peu plus de vendeurs parce qu'on a commencé par la vente et on a rajouté le module disponible à la location un peu après. Mais 50% des demandes d'estimation sont faites par des vendeurs et bailleurs qui le renseignent par le biais du le petit formulaire juste à droite. 25% sont des preneurs, des acheteurs qui s'informent sur un prix et sur les professionnels avec qui ils pourraient continuer leur projet. Et enfin, 25% des professionnels immobiliers, c'est assez large, ça peut être des promoteurs, on voit qu'il y a beaucoup de foncières, des investisseurs, et bien sûr des partenaires agents de bureaux locaux qui étaient aussi curieux de découvrir le module. Donc, on a un algorithme qu'on va vous détailler, que Guillaume va vous détailler, qui est en constante amélioration, et bientôt, l'estimation sera disponible pour l'entrepôt. Pour entrer plus dans les détails de cette machine, je vais laisser la parole à Guillaume Bonhomme, qui est responsable de toute la partie data science chez Bureaux Locaux. Et puis moi, je vous retrouve un tout petit peu plus tard. Merci Antoine. Bonjour à tous. Je me représente, comme vient de le rappeler Antoine, pour ceux qui nous auraient rejoints depuis le début. Je suis donc Guillaume Bonhomme et je suis responsable de l'équipe data chez Bureaux Locaux. Et je vais vous expliquer un petit peu plus dans les grandes lignes comment fonctionne le module de préestimation. Donc, ce que je vous propose globalement, c'est de vous mettre dans la peau d'un propriétaire de bureau qui veut estimer le prix de vente de son bureau, hein, donc prix net vendeur,
hors frais d'agence, hors frais de notaire. Donc, comme l'a expliqué Antoine, la première étape qui est demandée à l'utilisateur, c'est de saisir l'ensemble des caractéristiques du bien. Donc, dans cet exemple, ce serait un bureau à la vente, par exemple Paris 8e, 100 mètres carrés, etc., etc. Année de construction, état du bien, le bureau est-il indépendant ou pas, son étage, et si c'est un immeuble, bon là c'est l'exemple d'un bureau, mais si c'est un immeuble, a-t-il un parking, a-t-il une terrasse, voilà. Ça, c'est des éléments qui sont importants pour nous, pour qu'ensuite, dans l'algorithme, on soit capable d'estimer assez finement le prix de vente de ce bureau. Donc, ce que fait globalement le module de préestimation, c'est qu'il va croiser ces caractéristiques du bien saisies lors du parcours en ligne avec des données immobilières afin de restituer une préestimation. Alors, les données immobilières que nous utilisons, elles sont de deux types. Elles proviennent de deux sources. Il y a bien évidemment les données internes de bureaux locaux, hein, donc des offres, des annonces et des transactions. Et il y a les données dites DVF, donc cet acronyme signifie demande de valeur foncière. Vous en avez probablement entendu parler, ce sont des données publiques, c'est ce qu'on appelle des open data, qui sont mises en ligne par la Direction générale des finances publiques et qui contiennent des mutations immobilières à titre onéreux des 5 dernières années. Voilà. Donc d'une part, on a les données bureaux locaux, qui sont des données déclaratives interne, et d'autre part, on a les données DVF, qui sont des données officielles de la DGFiP. Alors, je vais en dire un tout petit peu plus tout de suite sur ces deux sources de données et comment nous les traitons à grosse maille. C'est très important, la donnée, parce que c'est la donnée qu'on met en entrée, la qualité de la donnée qu'on met en entrée, qui fait la qualité de la sortie qu'on obtient en sortie du module d'estimation. Donc, c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à travailler et à raffiner cette donnée, parce que de sa qualité dépend le résultat. Donc, pour vous donner quelques ordres de grandeur, les données brutes que nous utilisons, donc vraiment en entrée, des bases de données dont nous disposons, pour bureaux locaux, elles contiennent plusieurs dizaines de milliers d'observations, hein, c'est l'ensemble de l'historique bureaux locaux, et pour DVF, c'est plusieurs millions, un peu plus de 17 millions de mémoires d'observations, qui sont donc l'ensemble des transactions qui ont eu lieu au cours des 5 dernières années. L'ensemble de ces données concerne tout le territoire français, à l'exception pour DVF de 3 départements, donc le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle. Alors, si je reviens à l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure, imaginons que c'est un propriétaire de bureau dont vous souhaitez estimer le prix de vente. La première étape que nous allons faire, c'est que nous allons déjà filtrer cette grosse masse de données sur uniquement les données pertinentes par rapport à votre problème. Il s'agit donc, dans ce cas-là, des données de bureau à la vente, par opposition à la location, et nous les filtrons sur 2 années glissantes. C'est-à-dire que nous considérons que, au-delà de 2 ans, les données immobilières ne sont plus sont trop décalées avec le marché actuel pour pouvoir être intégrées à notre module. Donc, on préfère restreindre l'historique à 2 ans. Donc, par rapport à une question que j'ai vu passer tout à l'heure sur la fréquence de mise à jour des données, il faut savoir que tous les 15 jours, nous réactualisons les données du module d'estimation sur les 2 dernières années glissantes. Voilà. C'est comme ça que l'on met à jour les données. Donc, tous les 15 jours, les données sont rafraîchies sur les 2 dernières années glissantes. Une fois qu'on a filtré donc, ces données, nous allons les nettoyer. Alors là, je vous ai listé quelques grandes étapes du nettoyage des données. Donc, par exemple, la première, c'est que nous enlevons les valeurs anormales ou, comme on dit, aberrantes quand on traite la data. Donc, c'est des valeurs qui sont souvent des erreurs. Donc, par exemple, dans le bureau locaux, ça va être des erreurs de saisie. Dans DVF, ça peut être des petites coquilles de transmission entre services. Et donc, ces valeurs-là, nous les nettoyons. Et nous les nettoyons ville par ville, parce que vous comprenez bien qu'un prix du mètre carré qui va être acceptable à Paris 8e va être complètement délirant pour Moulins ou Montauban, par exemple. Donc, on est obligé d'adapter ce nettoyage ville par ville. Un autre exemple de nettoyage que nous faisons, c'est que nous supprimons les doublons. Donc, les doublons entre les différentes bases de données que nous avons. Pour DVF, un autre exemple de nettoyage que nous faisons, c'est que nous sortons les lots multiples. Alors, un lot multiple, c'est quoi? C'est quand vous avez un seul prix de transaction qui va concerner, par exemple, un immeuble avec un local commercial et 3 bureaux. Dans ce cas-là, nous avons accès simplement au prix de la transaction globale et nous n'avons pas accès aux détails du prix de chaque lot. Donc ça, c'est une donnée qu'on ne sait pas traiter aujourd'hui. Et plutôt que d'intégrer une donnée qu'on ne comprend pas et qui va amener des erreurs plus loin dans la chaîne, on préfère l'écarter. Voilà.
Enfin, les deux autres retraitements que nous appliquons avant d'injecter les données dans notre modèle, c'est l'actualisation des prix. Donc, je vais prendre un exemple très simple. Si vous avez un bien qui a coûté 500 000 euros à Paris il y a 2 ans et que le quartier de ce bien a pris 10%, alors aujourd'hui, s'il était transacté aujourd'hui, il se transacterait grosso modo à 550 000 euros. Donc, tous les prix passés, nous les réactualisons afin d'évaluer la valeur qu'ils auraient aujourd'hui. Et un dernier retraitement que nous effectuons, qui est aussi important, c'est ce qu'on appelle la tension du marché, c'est-à-dire que les données bureaux locaux, ce sont des prix de présentation, donc ce sont des prix net vendeur, mais avant négociation, alors que les données DVF sont des prix transactés, donc après négociation. Donc, comme il est important de comparer ce qui est comparable, nous retraitons les données bureaux locaux pour estimer le passage du prix de présentation, donc du prix avant négo, au prix après négo. Voilà. Donc voilà pour les grandes lignes, l'ensemble des traitements que nous faisons sur les données. Et à nouveau, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'on compare ce qui est comparable et que pour estimer un prix net vendeur à l'instant T, donc à la date d'aujourd'hui, il faut travailler avec des prix net vendeur à la date d'aujourd'hui. Voilà la philosophie de tout ce traitement. Alors, je vais rentrer un petit peu plus maintenant dans le détail de ce qu'on appellerait l'algorithme. Donc, je repars de l'exemple introduit par Antoine, donc un bureau à la vente, par exemple, dans le 8e. Alors, une fois que vous avez sélectionné toutes les caractéristiques de ce bien, la première étape que nous réalisons, c'est que nous sélectionnons, nous identifions tous les biens comparables à proximité du bien que vous souhaitez estimer. Alors, par bien comparable, on entend même nature de transaction. Donc, par exemple, si c'est un bureau à la vente, on va sélectionner uniquement les ventes, comme on l'a dit précédemment, même typologie de biens, donc uniquement les bureaux, même localisation. Donc là, on a différentes approches, différents sous-algorithmes pour sélectionner les biens au plus proche de celui que vous cherchez à estimer, tout en ayant un volume de données suffisant. Et enfin, même tranche de surface. Voilà. Hein, donc on ne va pas comparer un bien qui fait 2000 m² en prix par mètre carré avec un bien qui en fait 100. Voilà. Donc, une fois qu'on a identifié ces biens comparables, on les envoie dans notre algorithme. Alors, l'algorithme, pour le dire en d'autres termes, c'est comme un modèle mathématique qu'on aurait mis dans un ordinateur, en quelque sorte. Et ce modèle mathématique, qu'est-ce qu'il fait? Il va analyser finement toutes les données des biens comparables, donc à la fois bureaux locaux et DVF, offres et transactions, et il va croiser ces données avec les caractéristiques du bien que vous cherchez à estimer. Donc, bien évidemment, localisation et surface, mais également les autres caractéristiques qu'on avait listées précédemment. Et c'est en croisant l'influence de chacun des paramètres parmi ce qu'on observe parmi les comparables qu'on peut calculer une préestimation et vous la restituer. Alors, sur la restitution, merci Antoine, sur la restitution, il y a deux grandes parties. Donc la première, c'est une fourchette, c'est ce que je vais décrire dans cette slide. Et la deuxième, c'est l'indice de confiance, ce sera l'objet de la diapositive suivante. Donc la fourchette, en fait, ça veut simplement dire que l'estimation du prix transacté que nous vous fournissons, donc par exemple ici 3 201 000 euros, elle s'accompagne d'une valeur basse et d'une valeur haute. Alors la fourchette, elle est calculée sur la base des prix au mètre carré minimaux et maximaux observés parmi les biens comparables. Voilà. Pour faire simple, c'est ça. Parfois, on applique quelques retraitements dans le cas où la fourchette serait trop importante, mais la philosophie, c'est ça. Donc, ça vous garantit que le bien se transacte très probablement entre les éléments extrêmes. Voilà. Et la deuxième partie qui vous est restituée, c'est l'indice de confiance. Donc, l'indice de confiance, c'est un indicateur, c'est un score qui varie entre 1 et 5, 1 étant le plus mauvais et 5 étant le meilleur, et qui traduit notre niveau de confiance dans l'estimation qu'on vous retourne, c'est-à-dire le niveau de cohérence et de précision de la fourchette présentée. Alors, cet indice de confiance, il se base sur deux éléments. Le premier, c'est le volume d'informations. Donc, à nouveau, pour faire simple, plus il y a d'observations comparables disponibles à proximité du bien que vous cherchez à estimer, plus nous serons confiants dans l'estimation que nous vous fournissons, parce qu'elle est calculée sur la base d'une grande population de points. Inversement, moins il y a de données, moins nous sommes confiants. Et le deuxième axe qui
influence l'indice de confiance, c'est la variabilité du prix parmi les biens comparables. Alors, la variabilité du prix, ça veut dire, est-ce que parmi les biens comparables, ou bien que je cherche à estimer, est-ce que le prix se comporte de manière prévisible, facile à interpréter ou pas? Donc, je vais prendre un tout petit exemple. Si dans le cas du bureau à la vente dans le 8e, on constate qu'autour de lui, tous les bureaux à la vente qui ont des caractéristiques similaires se transactent à un prix au mètre carré qui est à peu près constant, alors on va être assez confiant sur le fait que votre bureau se transactera lui aussi à peu près à ce prix au mètre carré. Inversement, s'il y a une grande variabilité dans les données, donc une grande variation de comportement entre les différents comparables, on va être moins confiant. Voilà. Donc voilà pour la philosophie globale du calcul de la fourchette et de l'indice de confiance. Alors, avant de prendre la parole à Antoine, je vais terminer sur un dernier point, qui est le fait que notre modèle est apprenant. Donc, vous l'avez peut-être remarqué si vous avez déjà fait le parcours utilisateur dans notre module de préestimation, mais à la fin du parcours, quand l'estimation vous est restituée, sur la droite de l'écran, vous avez un bloc avec des émoticônes qui vous permettent de nous envoyer un feedback sur votre appréciation de l'estimation. Était-elle trop basse, juste ou trop haute? Alors, à l'heure actuelle, nous sommes dans la phase de collecte de ces feedbacks. Nous ne les exploitons pas encore, mais c'est prévu dans les prochaines semaines. Et là-dessus, vos retours sont les bienvenus, en particulier si vous êtes des professionnels de l'immobilier, car ça nous aide à améliorer notre algorithme. Voilà. Dans les zones notamment où, pour une raison X ou Y, il aurait une imprécision, et on analysera finement vos retours et on les intégrera à l'algorithme. Voilà. Une dernière petite précision avant de te rendre la parole, Antoine. Je l'aurais dit, c'est par rapport au Covid. Aujourd'hui, nous n'avons pas mis en place de coefficient spécifique pour corriger les préestimations, pour prendre en compte l'impact du Covid. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons, mais c'est encore un peu tôt, en termes de volume de données, pour réellement intégrer ce correctif. Voilà. Je te rends la parole, Antoine. Merci, Guillaume. Pour revenir sur cette liste de recommandations de professionnels, comment sont-ils déterminés? Donc, ils sont pas affichés de manière aléatoire, pas par hasard. On les affiche parce qu'on estime que ce sont les plus pertinents sur la base des données que nous avons. Donc, les données que nous avons, ce sont des annonces en ligne, mais ce sont également, comme je l'ai dit au début, des transactions. Et des transactions, on va aller chercher en quelque sorte le trio gagnant, qui sont sur le même type de bien, la même tranche de surface et la même localisation que le bien qui a été préestimé. Donc, j'insiste sur le fait que ça vaut pour les annonces, mais aussi pour les transactions. Et on en a de plus en plus. Donc, avec la hausse du volume, évidemment, on ne s'interdit pas le fait de donner plus d'importance aux transactions à l'avenir dans notre algorithme, car c'est sûrement le meilleur témoignage de l'expérience d'un acteur. Donc, mettez en ligne vos transactions, pas seulement pour ce module, mais pour l'ensemble des modules de bureaux locaux. Si vous êtes agent partenaire, votre visibilité ne sera qu'optimisée si vous mettez en ligne vos transactions. Donc, comment on les classe, comment on les affiche, ces professionnels recommandés? On les affiche en fonction du volume, mais pas seulement. Vous voyez que le deuxième acteur, il semble avoir moins d'annonces et moins de transactions que ses confrères. Mais il est tout en haut parce qu'il a des annonces ou des transactions qui sont très pertinentes, c'est-à-dire qui sont à proximité immédiate du 8 rue de Penthièvre, qui est l'adresse qu'on a renseignée tout à l'heure et qui est l'adresse du bien préestimé. Donc, pertinence au niveau de la localisation, du type de bien, de la tranche de surface et aussi bien pour les annonces que pour les transactions. Donc, voilà en substance ce que nous souhaitions vous dire aujourd'hui sur ce module. J'espère que ça a rendu l'exercice, en tout cas l'outil plus clair et que c'était au maximum intéressant. On va à présent répondre aux questions qui ont été listées pendant notre intervention. Il y en a eu quelques-unes et on va essayer d'en descendre un petit peu avec Guillaume. Alors, si je regarde les questions.
Il y a eu en effet une question sur indiquez-vous les tendances de marché à la hausse ou à la baisse. Je crois que ça a été déjà répondu, mais je préfère répondre pour tout le monde si ça n'a pas été vu. On a en fait des pages prix qui sont disponibles sur bureaux locaux, qui sont en accès libre, pas seulement pour nos agents partenaires, mais également pour tout utilisateur. On peut se rendre sur les pages prix de bureaux locaux et voir les évolutions pour les loyers, pour les prix de vente sur un an dans pas mal de géographies. Donc, à partir du moment où on a suffisamment d'informations, on note ses loyers, ses prix de vente et ses évolutions. Quand on n'a pas assez d'informations, on préfère pas les mentionner. Alors, je pense que pour la méthode hédonique, il me semble que c'est la méthode qui consiste à rajouter des strates à partir d'un prix de base. Oui. Ça a été assez répondu avec l'explication de Guillaume. Je ne sais pas si Guillaume, tu veux commenter ça, mais en tout cas… Simplement ajouter un point sur la méthode hédonique, c'est que souvent, elle est citée pour la prise en compte d'effets collatéraux environnementaux qui influenceraient le prix du bien, par exemple la proximité d'une décharge, d'externalités négatives, comme diraient les économistes. Aujourd'hui, on n'utilise pas cette méthode au sens où on n'analyse pas l'environnement immédiat du bien pour estimer son prix. Donc, on analyse les transactions comparables à proximité, qui, elles, encapsulent déjà les externalités négatives, mais on ne va pas appliquer des coefficients qui vont dégrader le prix du bien, par exemple, si une décharge publique est à proximité. On considère que c'est déjà intégré dans les autres transactions qui ont eu lieu. Voilà. Alors, simplement un petit point sur ces histoires de coefficients, parce que ça répond à une autre question. Il manque des éléments importants tels que l'ascenseur et la climatisation. Donc, la question, c'est « Bonjour, j'ai testé le module sur la location bureau à plusieurs reprises, et à mon sens, il manque des éléments importants tels que l'ascenseur et la climatisation. Comptez-vous les intégrer ?» Alors, là-dessus, plusieurs niveaux de réponse. D'abord, oui, c'est des éléments importants qui influent sur le prix. Mais pour l'instant, ce sont des éléments que nous n'avons pas à disposition dans les données, au sens où ils sont que trop partiellement renseignés la plupart du temps, ou alors ils le sont sous forme textuelle, par des commentaires manuels, et donc facilement. Nous avons ouvert tout un chantier de retraitement du texte, des saisies de texte, pour justement enrichir notre base de données et être capable, dans un avenir proche, dans les prochains mois, de traiter ces données-là. Donc, de prendre en compte l'ascenseur, la climatisation, le diagnostic énergétique, est-ce que le bien est un bien exceptionnel ou de standing ou pas, etc. Alors, il y avait également une question. Avez-vous pour les dirigeants ou investisseurs un service de chasseur de bureaux ou de commerce? Donc, nous, on est vraiment une plateforme dont la mission, c'est la transparence et la fluidité du marché du milieu d'entreprise. On n'a en aucun cas des brokers, on n'a pas de carte de transaction et on n'est pas, on a nous-mêmes des partenaires qui sont des agents spécialisés au milieu d'entreprise et nous ne sommes pas chasseurs de bureaux ou chasseurs de commerce. En revanche, notre rôle, c'est de réaliser le bon matching entre justement le dirigeant ou l'investisseur et nous, tout notre portefeuille de partenaires agents. Donc, pas de service de chasse interne à bureaux locaux, mais un service de matching efficace. Je vois une question sur l'indice de confiance. Dans le cas d'un indice de confiance à 1 ou 2, maintenez-vous l'estimation? Alors oui, nous la maintenons. En général, les indices de confiance 1 ou 2, ce sont des petites villes de province, des endroits où on a peu de données, ou alors nous n'avons que de la donnée DVF, ça peut arriver dans ces endroits-là. Mais dans ces cas-là, on estime que si on a une donnée qu'on considère comme étant propre et exploitable, même si on n'en est pas garant au sens où c'est la DGFiP plutôt bureaux locaux, il n'y a pas de raison de ne pas produire un prix au mètre carré s'il nous paraît cohérent. Donc oui, on maintient les estimations. L'indice de confiance, ça ne veut pas dire que l'estimation est fausse, ça veut dire qu'on est moins confiant dans l'estimation qu'on vous donne que si on avait beaucoup plus de données. Voilà. Mais ce n'est pas un chiffre sorti du chapeau, ça s'appuie sur des transactions, des prix au mètre carré observés autour du bien que vous souhaitez estimer. Donc, il n'y a pas de raison de couper ces estimations-là. Une question ensuite, Guillaume, sur qu'en est-il des locaux mixtes de bureaux et d'activités? Donc aujourd'hui, le module, comme on l'a indiqué, est vraiment disponible uniquement pour le bureau pour ce qui est de l'affichage de la fourchette. Pour la recommandation des partenaires agents, c'est également disponible pour commerce et pour entrepôt activité. Mais le chantier entrepôt
et locaux d'activité. C'est un chantier actuel, mais qui n'est pas encore en ligne. Donc, en tout cas, pour l'affichage des prix. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions ? Alors, juste, je vois qu'il y a une remarque hein, sur un test effectué qui aurait donné une surévaluation du prix. Donc, dans ces cas-là, hein, parce que, comme on vous l'a dit, c'est une fonctionnalité qui est naissante de notre côté, hein, donc elle est en amélioration constante. N'hésitez pas à nous faire un retour via les émoticônes dans un premier temps, ou éventuellement à nous contacter directement si vraiment vous pensez qu'il y a un problème. Hein, ça peut arriver. Donc, nous, on travaille tous les jours pour que le module s'améliore de jour en jour, mais voilà, vos retours nous sont précieux. Voilà, je rappelle une nouvelle fois, j'ai déjà dit en début de webinaire, mais nous, notre rôle, c'est vraiment d'utiliser toute la donnée que nous avons de manière la plus pertinente possible pour afficher cette première indication de prix à l'utilisateur. Mais c'est aussi et surtout de réaliser le bon matching avec les partenaires agents pour que eux puissent aller plus dans le détail, affiner l'estimation et pourquoi pas commercialiser le bien si c'est le projet d'utilisateur. Une nouvelle question. Antoine, je ne sais pas si tu veux dire. On va prendre encore une ou deux questions. Ouais. Alors, estimation. Estimation des commerces et droits au bail, c'est pour quand ? En tout cas, ce n'est pas d'actualité. Le prochain chantier, c'est entrepôts et locaux d'activité. On estime que c'est un actif qui est un peu plus homogène, pas autant que le bureau, mais un peu plus homogène en tout cas que le commerce. Et c'est un type d'actif sur lequel on pourra dire des choses qui sont pertinentes, qui sont cohérentes. Pour le commerce et les droits au bail, c'est d'une grande complexité. Donc, pour l'instant, on ne s'est pas lancé dans ce chantier en toute transparence. On a une question sur les données DVF, hein, alors que c'est une question pertinente. Comment exploitez-vous les données DVF alors que la nature précise des locaux n'est pas indiquée ? Donc, effectivement, c'est un problème qu'on a rencontré, c'est une difficulté de la donnée DVF. C'est que sur le marché professionnel, elle est très agrégée. Donc, quasiment la totalité des données pro sont regroupées dans une seule catégorie. Mais c'est justement par croisement des données DVF et croisement des données bureaux locaux, c'est là la valeur ajoutée de notre module, c'est qu'on a deux sources. C'est par le croisement de ces deux bases qu'on est capable de prédire si un bien dans DVF est plutôt du local d'activité, plutôt de l'entrepôt, plutôt du bureau ou plutôt du commerce. Voilà. Après, je ne rentrerai pas dans les détails de nos algorithmes sur ce point-là, mais effectivement, c'est une question pertinente. Je vais répondre à la question sur les Bénédicte Duel, quels sont vos points forts par rapport à vos concurrents. C'est vrai qu'on est les seuls pour l'instant à faire ça sur l'immobilier entreprise en termes d'estimation et du coup de permettre ce fameux matching entre l'utilisateur qui peut être quelqu'un en recherche, mais également un bailleur à vendeur sur tout type de surface, toute taille. Je le dis tout à l'heure, plutôt en moyenne 400 m² sur les bureaux, environ 1200 m² sur les entrepôts locaux d'activité. C'est vraiment des moyennes, mais pour vous dire qu'on est représentatif des entreprises françaises. En tout cas, on est les premiers à faire ça en une entreprise en termes de matching. Et d'un point de vue purement humain, j'ajouterais qu'on a une super équipe commerciale. J'ai d'ailleurs mis le numéro de bureaux locaux. Mon numéro, si vous avez des questions sur cette présentation ou sur un autre sujet. Et le numéro de Nathanaël, qui est notre directrice commerciale. Donc, on est également à disposition pour échanger avec vous si vous souhaitez devenir partenaire ou si vous l'êtes déjà, pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, il y a des messages très gentils. Je pense que du coup, on peut... N'hésitez pas du coup à nous envoyer vos questions. Il y a mon adresse mail, celle d'Antanaël. Je laisse un petit peu à l'écran pour que vous puissiez noter si besoin. N'hésitez pas à nous appeler non plus. C'était un plaisir de pouvoir vous co-présenter ce module de préestimation avec Guillaume. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Sachez que normalement, vous devrez recevoir un mail suite à ce webinaire pour pouvoir avoir un replay pour ceux qui des collaborateurs qui n'ont pas pu voir cette présentation. C'est toujours intéressant. Donc, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir.
Oui, vous recevrez. Alors, je ne sais pas si c'est une copie des slides, mais à minima un lien vers le replay. Au revoir, merci beaucoup.